Voilà, le projet OALE, c'est d'abord c'est un projet qui intervient sur les filières agro-silvopastorales, notamment l'apiculture, la pisciculture et le moringa. Alors, c'est un projet qui est basé sur la formation professionnelle et le développement des systèmes de marché. Dans ce même développement des systèmes de marché, nous avons les marchés des filières et les marchés aussi de la formation professionnelle. On a notre formation en aller. Formation modèle, ça va le dire à moi. On a fait un libara. Oui, formation d'enfants d'âme pour bi-économie. Grâce à Helvetas, aujourd'hui, on sait comment bien se comporter avec les poissons. On sait quelle quantité d'aliments on leur donne par jour. Pour la reproduction, pour les besoins de reproduction, les mâles vont migrer vers le littoral. Là, c'est dans le milieu. Au Burkina, ici, on a appris qu'il y a deux types de poissons qui sont économiquement porteurs. Voilà. C'est le tilapia du Nil et puis le poisson chat. Afola koni amibaran kerani o noko kanakara akake nyanamaye. Il y a eu quand même une évolution. Comme au départ c'était réalisé de façon traditionnelle, il y a quelques clients qui se plaignaient un peu. C'est depuis une année environ, hein, vraiment c'est de la très 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 bonne qualité. C'est la poule vraiment, j'atteste que la qualité est vraiment très bonne. Pour la petite histoire, et l'unité existe depuis 1996 et c'était le papa qui assurait la gestion. Après son décès, il y a beaucoup qui ne savaient pas que l'activité se poursuivait toujours. Et grâce au cadre de concertation, il y a beaucoup qui se disaient que mais on ne savait pas que ça continuait toujours et qu'on ne savait pas que vous achetiez du miel. Donc du coup, c'est devenu en fait le pôle d'attraction de plusieurs producteurs. Le pivot central de tout ça, c'est l'autonomie. On arrive à autonomiser les acteurs. Donc c'est une façon pour nous de préparer notre départ. Voilà, donc le projet travaille à se rendre inutile.